tiens-toi debout. Je ne veux pas que tu fasses, c'est comme si on était à un concert. Que tu te tiennes là, tes yeux grandement ouverts, à regarder le pasteur chanter. Non. Il chante pas, il adore. Amen. Et je veux que tu adores avec lui. Si tu as les pieds pour t'agenouiller, tu peux t'agenouiller. Si tu peux te tenir debout, tiens-toi debout. Nous voulons adorer celui que la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de celui que nous voulons adorer, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Celui-là que nous voulons adorer, il n'est pas seulement le Fils de Dieu. Il n'est pas Issa, comme les autres le disent. Mais il est Dieu, créateur du ciel et de la terre. La Bible dit en lui habite corporellement toute la divinité. Il est Dieu, celui que nous voulons adorer. Il n'est pas Issa. Il n'est pas le grand-père du village. Il n'est pas seulement le faiseur de miracles, mais il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. J'aimerais bien que tu prennes une bonne attitude pour célébrer ce Dieu. Célébrer Adonai, le Dieu créateur de toutes choses. Et ta chararara, bossete. Et ma sata. Bien-aimé, prends une bonne position. Tu ne peux pas manquer les mots pour adorer ce Dieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi nous qui dira qu'il n'a jamais vu la main de Dieu, qui n'a jamais vu les bontés de Dieu. Bien aimé, comme il kangate, soko tombo la nzambe la lingala tombo la ye, soko tombo la ye la monoka mboka tombo la ye, soko tombo la ye na ki kongo na ki mosi na ki tege na ki luba tombo la ye, azanzambo ya yo kaka minoko nyonso. Bien aimé, fais-le avec tes mots. Exprime ton cœur dans l'adoration. Exprime ton cœur dans l'adoration, bien aimé. Il est Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Toto,
Alléluia na yote. Alléluia. Una balobaka soko bini te oza suspect. Ngala lobi soko lobi alléluia te oza suspect. Alléluia. Alléluia. Si quand les longues sont calmes, ils sont en train alléluia pour un mot qu'on dit n'a Balobela yo angola lingala ndenge wala po yoga bien. Tolo balleluya pona mokondi na bakondi yo za ya kovana. Alleluya ya yoto ya Yesu. Bible lobi heureux le peuple qui connaît acclamer pour son roi. Alimina mbola soki peuple congolais et on aura quoi le roi des rois. Je me donne un tonnerre d'acclamation. Jésus que nous sommes là. Quelqu'un est d'accord avec moi? Le ministère prophétique est très complexe et sensible. Il est très sensible. Tout à l'heure, lorsque l'homme de Dieu va faire le ministère, première consigne, lorsqu'on va appeler les gens devant pour la prière, suivez les consignes du protocole de la sécurité. Hier, nous avons été un peu gênés de voir des chrétiens en colère quand vous êtes à la ligne de prière. Vous ne pouviez pas être en colère pour la ligne de prière et dire que vous pouvez recevoir quelque chose de Dieu. Ce n'est pas possible. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je dis quelqu'un dit Amen. Amen. Nous devons avoir un cœur disposé. Tu as un rendez-vous avec Dieu, tu es arrivé pour quelque chose de particulier, alors laisse l'Esprit te conduire. Tu prends la colère, tu parles à la colère. Tu dis à colère, écoute, je ne te veux plus dans ma vie, tu m'agaces tellement, je suis venu ce soir pour que tu me lâches prise. Alléluia! Donc prends ta colère là, dégage ça. La ligne de prière se fait comment? L'homme de Dieu ou le protocole aligne les gens et l'homme de Dieu efface aux âmes pour la prière. Ce n'est pas le prophète qui délivre, mais c'est Dieu qui délivre, c'est Dieu qui guérit. Le prophète n'est que l'instrument que Dieu s'est choisi pour ta délivrance, pour ta guérison. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Pues
Est-ce que ma maman va savoir?
Pour nous présenter l'orateur, nous acclamons quand papa est en train d'avancer. Acclame Bétaminolo! Acclame Bétaminolo! Alléluia! Alléluia! Chevelé en train de s'appuyer fort. Alléluia! Comprends pas. J'aimerais bien écouter des tonnerres d'alléluia dans le ciel. Et que cette influence d'alléluia influence cet environnement. Amen. Et ça va amener les anges à être là présents. Satan ne sait jamais prononcer alléluia. Ce n'est pas son langage. Alléluia! Alléluia! Que le Seigneur soit béni ce soir. Depuis quelques jours, ce lieu devient un lieu d'événement. Nous avons vu la manifestation de la gloire de Dieu sur son serviteur. C'est un envoyé de Dieu. C'est un messager de Dieu. C'est un distingué de Dieu. C'est un appelé de Dieu. C'est un sélectionné de Dieu. C'est une véritable élite de Dieu. Alléluia! Chers frères et sœurs, nous croyons que ce soir, nous allons vivre des événements assez glorieux. Mais soyez simplement attentifs et sensibles à l'Esprit du Seigneur. Là où l'Esprit du Seigneur se trouve, il y a la liberté, il y a la tranquillité, il y a l'absence des ténèbres. Amen! Amen! Amen. Ce soir, nous aimerons arrêter tout événement de la sorcellerie. N'amenez pas ça ici. Quelqu'un peut dire amen. Si ton voisin a des problèmes de dire amen, alors tu changes de voisin. C'est qu'il est un élément dangereux pour l'activité de ce soir. Est-ce qu'on peut dire un grand amen?
pasteur ne dit pas amen, ce qu'il est dangereux, il est suspect, c'est un sataniste, et change de camp. Amen. Amen. Le ciel du Congo et de Brazzaville singulièrement est dans la joie de recevoir ce serviteur de Dieu. Il n'est pas venu par son propre chef, non. Il n'est pas venu pour faire le tourisme du soir en vacances. Je dois venir me promener à Brazzaville. Il a été divinement averti et parlé par Dieu pour dire, viens au Congo, principalement à Brazzaville. Alors c'est un moment très très béni hier, encore aujourd'hui et encore demain. Demain ne viens pas seul, s'il vous plaît. Invite des voisins de ton quartier. Invite ceux de ta maison. C'est un événement glorieux. Tu as écouté 1000 messages, mais ce que tu vas écouter ce soir va transformer ta vie. C'est pourquoi nous avons l'agréable plaisir d'accueillir l'envoyé spécial de Dieu, l'ambassadeur du ciel, autorisé par Dieu. Sa bouche est de Dieu, sa main est de Dieu, ses pieds sont de Dieu, sa tête est de Dieu, ses habits sont de Dieu, tout ce qui est de Dieu. À Dieu, Seigneur, merci pour ce moment, merci pour la grâce, merci pour ta présence. Nous venons te bénir, te glorifier en ce lieu. Prends la première place en ce lieu, sois le maître de ce lieu, que rien ne se fasse sans toi, au nom tout puissant de Jésus. Béni soit ton Seigneur, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bande Konangai. Mes frères, je vous salue. Alléluia. Amen. Assieds-toi sur la tête de ton meilleur ennemi. Vanda likolo na mutu ya moyini na yo yo aleki ba yini na yo nyonso. Alléluia. Amen. Ce soir, Dieu a un message spécial pour toi. Na pokwa na lelo nzambe azali na litea moko ya bokeseni po na yo. Hier, nous avons parlé de la parole. L'obito, solo la kili kolona liloba. Et j'étais en train de demander au Seigneur. Pena bandaki ko senga pa inankolo. Qu'est-ce que je veux dire ce soir? Na pokwa na lelonga na lobanini. Il m'a dit toujours la parole. Alobi lisusu kaka liloba. J'ai dit mais la parole, j'en ai déjà parlé. Na lobi liloba na solo la kango lobi elekiti. Il m'a dit je suis. Alobi ngai na zali. Prêche la parole. Teya liloba. Et il m'a dit de te dire de prendre le livre de Genèse. Alobina ngana lobela yo osimba mokanda na ebandeli Genèse chapitre 1. Mokapona liboso chapitre 1. C'est facile à trouver, c'est à droite. Eza pete pona kozwa. Eza na loboko ya mobali na Bible na yo. Tu ouvres la Bible, c'est à gauche ou à droite, en tout cas tu vas trouver. Ofungoli Bible okomona yango kaka. Chapitre 1er. Mokapona liboso du verset 1 à 3. Banda molongo ya liboso kino ya misato. Totangi. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Alléluia. Il faut savoir souvent que quand on lit la parole de Dieu lors d'un culte, tu dois te mettre debout. Yes. Alléluia. Et sengelo yeba kake tango nyoso bakofongo la Biblia pona kotanga loba na nzambe na kati na mayanga ni boye. Et sengeli yo otele makapona komemia liloba. OK, tu peux te rasseoir puisqu'on a déjà lu. To silisi kotanga boye fandaka. Au commencement, Naibandeli, Dieu créa Nzambe akelaki le ciel et la terre. Lola pemokili. Dieu créa Nzambe akelaki
C'est-à-dire la parole créa. Et l'inkoloba liloba akelaki. Alléluia. Amen. Dieu créa le ciel et la terre. Zambe akelaki lola pe mokili. La terre était vide et informe. Le ciel que Dieu a créé et plus la terre sont des créations de Dieu. Lola namokili ezabi keli o nzambe yemoko akelaki atako mokili ezangaki lolenge. Ça veut dire il y avait la Bible. Elikoloba ezalaki na polele moko ya monene. L'esprit de Dieu se mouvait. Nde molimo na nzambe ajalaki kotepa tepa. Au-dessus des eaux. Likolo na mai. Donc tu peux d'abord comprendre première chose. C'est que Dieu lui-même cite ce qu'il a créé, les deux choses. Et lorsqu'on parle de l'eau, on voit que l'eau était déjà là avec Dieu. Parce que son esprit se mouvait au-dessus des eaux, donc lui-même était aussi l'eau. Donc l'eau était déjà là. Mai ezalaki déjà wana. Quand Dieu a créé le ciel et la terre. Tango nzambe akelaki lola pe mokili. Et c'est par quoi? Natina nango. Quelqu'un dit la parole. Motomoko aloba liloba. Liloba. Ton liloba, il y a pas de vitamine. Na bien liloba. Liloba non vraiment zangi mafuta, loba malamut. Loba na kondima, liloba. Liloba. Yeah. C'est pas cette parole là. Ezana nzela na liloba wana. Que tu existes. Nde yo ozali. Il va dire créons l'homme. Nzambe ayeko loba tokela ekela mu moto. À notre image. Na elilingi na biso. Quand il dit crayon, tango alobi tokela. Ça veut dire il était déjà là, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Elingo loba yenzambe azalaki déjà wana tata mwana pe molimo mosanto. C'est par cette parole là. Ezana nzela na liloba wana. Que Dieu me dit de te dire ce soir. Nzambe alobi na ngana yebisa wana pokwa na lelo. Une parole sera libérée et elle est libérée. Ete liloba moko ekobima wape esili kobima. Que dès ce soir ta vie change. Ete banda pokwa na lelo mambo ina yo e bongwani. Oh, oyokite. Ce que j'ai remarqué au Congo, c'est qu'on observe beaucoup et on réagit moins. C'est comme si Dieu ne parle pas. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire l'Esprit de Dieu est en mouvement. Donc quand tu reçois la parole de Dieu, tu dois être en mouvement. Tu n'es pas un décès ici. Je pose souvent la question. Eh bien, c'est bien, ce qui est bien aussi, c'est que vous dansez bien la louange ici. Bon, c'est que tango bazo beta ndule bozo bina makasi. Comme ça, on ne regrette pas trop le monde. Boye, na kobina na bino moyo regrette mokili penza ezate. Mais il faut danser en esprit en vérité. Ne, bina kati na molimo pe na solo. Donc, quand Dieu a créé la terre. La terre, ça veut dire qu'elle n'existait pas. Mokili, eli koloba yango liboso ezalaka na ngote. Pour créer le ciel, pote nzambe akela siko lola. Il a séparé l'eau à la surface. Akaboli mai na likolo na etando. Il y a eu le ciel. Boye lola emonani. Pour qui est la terre? Po siko mabele ezala. Dieu a demandé à l'eau. Nzambe asengi epai na mai. Et l'eau a sorti la terre. Mai
Il a parlé à qui? Il a parlé à l'eau. Il a dit que la terre fut. L'espace où il n'y avait pas d'eau, c'était la terre qui est sortie de l'eau. Et si ka oyo maye jala kite ezali kolona mabele mabele e uti na mai. C'est comme ce soir. Ezandenge moko na pokwa na lelo. J'ordonne de la même manière. Nazali ko pesa mitindo lolenge moko. À tous ceux qui bloquent ta bénédiction. Na onyoso ezali ko kanga libo. De la libérer au nom de Jésus. E kango la yango na kombo na Yesu. Dieu a ordonné. Oui, parfois, je suis souvent étonné de voir que on peut appeler quelqu'un pasteur ou homme de Dieu. Et il se retrouve chez un ganga. Pour demander la puissance. Vraiment. C'est comme un homme normal va demander à la sagesse à un fou. Et là, le col à moto, il y a penza ma kambo e koka, a ke pa ya moto alimoma, a lobi pe sanga mwanya. Il y a même des hommes d'église qui sont dans des loges évangéliques, la loge, c'est-à-dire, ils sont dans des loges que les mêmes les gens du monde. Et ils disent non, c'est juste pour la connaissance. Et ça peine bato na nzambe, bato na ndako na nzambe, bato na ecclesia. Bazana kati na basuku. Tu as la parole. C'est quoi franc-maçon? C'est quoi rose quoi? Franc-maçon rose quoi? Yango nini? Qui doit enseigner l'autre? C'est l'enfant de Dieu qui a la science. Parce qu'il suffit que tu prononces une parole. Et ce que tu proclames se produit. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, c'est aussi simple que ça. Lobana mutu pembeni na yo ezanango pété. Ezanango pété. Ezanango pété. Oyebi? Est-ce que tu sais? Il faut que toi le chrétien, esengali yo mo Christo, tu quittes la phase où tu crois seulement en Jésus. Ne crois plus en Jésus. Croire en Jésus, ça veut dire simplement que tu peux aussi aller croire au nganga. Ça veut dire tu crois, oui, je crois. Même le diable croit que Dieu existe. Ondimi et nandimi. Kasi yeba ete, na diable pe andima ka ete nzambe azali. Tu dois quitter l'étape où tu crois. Longwa na étape yo ozaka ka kondima. À l'étape où tu sais. Kende si kona étape ya moto yo ayebi. Tu dois être dans je sais. Esengeli okota na mopiko ya maoyo. Je suis malade, oui, je sais que Jésus va me guérir. Naza malade ya solo. Je suis là. Mes dons spirituels sont bloqués. Je sais que Jésus va me délivrer. Même si on avait dit je ne pourrais pas servir Dieu, mais je sais que je servirai l'Éternel. Je sais que le Saint-Esprit est avec moi. Je sais que le diable ne peut rien contre moi. Je sais que je dois marcher sur la puissance de l'ennemi. Je sais que rien ne pourra me nuire. Je ne crois pas, je sais. Pourquoi tu dois savoir? Parce que ce que Dieu a déjà libéré, c'est déjà calé. On ne peut plus changer ça. C'est une vérité calée. C'est une vérité qu'on ne peut plus changer. Donc au lieu de croire à cette vérité, tu dois savoir
savoir signifie que tu as la science. Nous sommes parfois dans l'impuissance. Parce que on veut parfois nous faire croire que c'est ce que nous voyons qui fait notre avenir. C'est parce que tu traverses maintenant là qui conditionne ton avenir. Quand Dieu voyait les eaux, il savait ce qui devait sortir des eaux. Quand Dieu te regarde, il ne voit pas celui qu'on a rejeté. Il ne voit pas celui qu'on a maudit. Il ne voit pas celui qu'on a bloqué. Il voit celui qu'il va élever. Il voit celui qui va bénir. Il voit une femme de distinction. Il voit un homme de distinction. Quand Dieu te regarde, Dieu te regarde comme vous savez, quand un menuisier ou un charpentier, lorsqu'il voit le bois, la bille de Koumé passer, un grumier, il ne voit pas les billes de Koumé là. Il voit les meubles. Il voit ce que le bois l'a fait. Donc lui voit déjà les meubles. Il voit déjà les lits qu'il fabrique. Il voit déjà les portes des maisons. Il voit le plafond. Il ne se limite pas, il ne regarde pas ça comme le bois qui passe. C'est comme quand Dieu te regarde. Il ne regarde pas ta situation actuelle. Il voit là où il t'amène. Il voit là où tu seras à partir de ce soir. Il voit qui tu seras à partir de ce soir. Tu sais que Dieu est fidèle. Dieu n'est pas complaisant. Dieu est fidèle. C'est pour cela. Quand il a dit à Noé, sonne la trompette. Tous les animaux ont une semaine pour entrer dans l'arche. 7 jours. Dieu n'a pas dit le lion, la panthère, ou même l'aigle. Topé, bongo, aigle. Vous allez plus vite. Vous êtes 4 jours. Il n'a pas dit ah, tortue, est-ce qu'il peut passer en une semaine? Alobaki na koba te a koba yo vraiment poso mobimba. Caméléon là. Ah, caméléon yo koka. Même 2 semaines. Yo caméléon poso mobimba l'été. Dieu a donné à tous les animaux une semaine. Apesa ki na banyama nyonso. Que tu sois caméléon, que tu sois lion, il a donné une semaine. Caméléon poso moko. Alléluia. Amen. Tous les oiseaux, une semaine. Et ceux qui ne sont pas allés dans l'arche comme les dinosaures, ils avaient l'orgueil. Ils ont été enfouis, engloutis. C'est pour cela que les archéologues les trouvent dans, au sous-sol, sous-sol, sous-sol. Il y a un sali molouki na sena mabele, bazo kuta. Il n'y a pas une épidémie. Dieu est fidèle. De la même manière, quand il te regarde, il n'a pas le temps de savoir d'où tu viens. Il va te bénir parce que tu t'accroches à lui.
na ye. Il va changer ta vie parce que tu t'accroches à lui. Peu importe ce qu'on t'a dit dans la famille, tu ne vas pas servir Dieu, mais toi tu vas servir Dieu. Il a été dit que tu ne vas pas réussir. I'm telling you. Sauf si tu n'as pas vu le prophète. Ta réussite est à portée de main. Ta guérison est à portée de main. Si tu es d'accord avec moi, Maboko na likolo. Dieu a un programme pour toi. Programme pour nayo. Il n'est pas complaisant. Il est fidèle. Aza sembo. Alléluia. Il faut que ton amène ait un peu de vitamine, un peu plus. Amène nayo zwa moi mafuta. Alléluia. Amen. Et bandoya. Vous savez, l'évangile, c'est pas. Yebete sango malamu, yango ezalite. Je disais le matin, Corinthiens 2, verset 4 dit. La parole de Dieu ne consiste pas seulement à la prédication, mais à la démonstration de la puissance. Quand Dieu parle, il démontre aussi la puissance. La Bible dit, il a dit que le jour fut, la lumière fut. Et la lumière est arrivée. La Bible dit il y a eu un jour et une nuit. Il a séparé la lumière des ténèbres. Quand la lumière arrive, les ténèbres ne négocient pas. J'ai dit bien, quand la lumière arrive, les ténèbres n'ont pas le temps de négocier. Ta guérison arrive ce soir, la maladie n'aura pas le temps de négocier. Ta délivrance arrive ce soir, la maladie n'aura pas le temps. Quand Dieu pousse, où il tire, où il soulève, c'est par la parole. Alléluia. Amen. Tu n'as pas le temps. Vous savez. Je priais un jour. Et puis, quelques temps après le début du ministère, j'étais allé avec mon épouse à une réunion de mariage avec ma femme. Mon aîné devait se marier. Pardon? Mon grand frère devait se marier. Ok. Pendant que j'étais en réunion, une femme m'appelle. Vers 21h30. Elle me dit, ah papa, homme de Dieu, je suis là. Alobi papa, moto na nzambe, ngai oyo. Je dis, mais tu es là, tu es d'abord qui? Nalobi oza wana yo nani. Ah, en tout cas, je suis là pour la prière. Naza wapona lo sambo. Et l'église était encore chez moi. Et quand j'ai terminé la réunion, en arrivant chez moi, à peine j'ouvre le portail, je vois une femme debout dans la cour. Et
quelqu'un, je n'avais pas encore su si c'est une fille ou un garçon, mais quelqu'un couchait. Et ben na yeba kite soki mwasi soki mobali moto mosusu alaki wana alali na se. Quand je demande à la dame, oui, vous voulez quoi? Na tuni mama ozo lukanini. Elle me dit, je reviens de l'hôpital. Alors zongi selinga lobi na uti l'hôpital. J'ai dit, ben est-ce que c'est ici l'hôpital? Na tuni e awande l'hôpital. Elle me dit, ma fille est morte. Alobi nanga mwana nanga alali wana akufi. Et le docteur a dit qu'on va envoyer un médecin légiste pour faire un rapport et puis on va lui trouver une place à la morgue. Et je lui ai demandé, c'est ici la morgue? Si qu'on a tout dit, maman, morgue est en dehors. Elle dit, en tout cas, j'ai fait 3 ans dans une église avec l'enfant. Alobi papa ngana salim vula misato na kati na église moko elongo na mwana. Elle habitait dans l'église là. To banto mwana vanda ki kan église wana. Mais là finalement l'enfant est mort. Mais suka na suka tala mwana kufi. Mais il est encore frère. Ne aina no pio te ana no kamwa moto. Et son mari, si ko mobali ya mama wana. Elle a dit à son mari, maman na lobeli mobali na ye. On m'a dit qu'il y a un prophète quelque part là. Et te baibu sakinga mosakoli na nzambe moko aza quelque part awa. Je vais d'abord voir. Na kende nano komona. Si ça ne marche pas, il y a pas de problème. Na kende nano na ebembe ya mwana to meka. Soko esimbite likambote. Son mari a dit des folies comme ça, moi je suis pas dedans. Mobali na lobi mama. Mabomba ya motindo ngana na kati te kendeka yo moko. Il est quand même venu avec elle. Mais mobali aye quand même na mwasi. Mais j'ai tout fait pour décourager la femme. Na salignonso. Je ne voulais pas prier. J'ai tout fait pour. Est-ce que tu as même Jésus? Na salignonso pona kolembisa mama wana atika ngaki miyake de na tuni. Elle était au christianisme. Ozana ozana Yesu. Elle était au christianisme céleste. Yesu akina lingomba babengi bo Kristo ya lola. J'allais même lui dire mais retourne au ciel. Na lingaki na yemseme lokola bo Kristo ya lola ngeli ngomba na ozonga lola. Mais elle me dit, papa, je n'ai pas Jésus, mais je le prends maintenant. Alobi nanga papa nana Yesu te me na kamata Yesu kol. Elle m'a coincé. Donc oboni ki a coincé kenga. Je vais encore chercher une raison. Je tourne. Je vais dire quoi à la femme là? Na bandi ko baluka baluka. Maman est vraiment née bisendi ni oeko longole yawa. Et elle prend même. Elle, la fille devait avoir 17 ans, 18 ans. Moi nani a kufa ki akiba 17, 18 ans. Et avec sa sœur qui était là. Nande konaya moi si place là qui ils ont porté. Ils ont même amené ça au salon. Ma mémie bébé, ma cotiti na salon. Comme pour dire aujourd'hui là toi et nous c'est la vérité. Neti koloba lelo ne lelo yona biso vérité vérité aw. J'étais embarrassé. Nabi sibino ndenge na laki gêné moi été. J'ai dit bon on va prier. Na lobi bon le kole komi bo eto bon de la kaka. Mais pour vous dire franchement, c'était pas une prière pour la ressusciter. C'était vraiment pour faire plaisir à la maman que, bon, on a quand même prié, mais repars. Et puis j'ai commencé à prier. Puis j'ai demandé à sa mère, s'appelle comment? J'ai appelé le nom du nom de Jésus. Esprit de mort, libère cet enfant. Honorine, moi mon akufa, tika moi noy. J'ai prié comme ça 3 fois. J'ai vu, elle a bougé la main. J'ai dit, oh, on dirait que l'affaire là va marcher. J'entends voir qui me dit vas-y encore. Et vous savez, j'étais avec ma femme quand on est arrivé. Hein? Mais elle m'a laissé aller dans la chambre pour dire reste avec ton affaire là. Et les enfants aussi. Ils étaient au couloir en train de guetter qu'on va voir l'affaire là aussi. Et
Parce que quand ma femme était là, je lui ai dit, mais va appeler le père de l'enfant là. Parce qu'il est resté dehors. Il a dit, il n'entre pas. Il a même démarré, il est allé garer plus haut. Ma femme aussi a dit, ah, moi aussi, hein. Reste un peu régler ça là-bas, tu me diras après. Moi, si l'anga lobi, yo peut vraiment, tu kala go suk sali kamboana, ko bete l'anga li solo après. Quand l'enfant commence à bouger la tête, tango moi no ya kufa ki akomo ningi sa siko moto. Ouvre les yeux, a fongoli miso. Il dit, oh, non, ça marche. Ah oui, oh, li kambangwa simbi. Elle s'est levée. Moi, na wana telemi. J'ai mis l'huile sur elle. Ils sont partis. Maintenant, son père, le père l'a ressuscité. Vous savez, cette fille, elle chante depuis ce jour-là. Cette fille-là, elle chante à l'église. La mère de cette fille-là est la plus disciplinée. Elle est dans le service nettoyage de l'église. Elle est la plus disciplinée. Donc, quand elle sort avec sa fille, son père voit comment elle marche, elle vient. Tata! Mukolona tango babibi tata komo gete amona mwana ndenga zotambola. Il dit à sa femme. Alobeli mwasi na eboy. Je vous autorise à aller dans toutes les églises. Na pesi bino nzela bokota ba église nyonso. Sauf ici, ne venez plus ici. Sauf kaka na église okoyaka lisusu awate. Il dit oh. Au lieu d'encourager, lui il dit ne venez plus ici. Na bisiko yo, au lieu apesa bango piko ya koyaka awa, akomo lo bana bango bayaka lisusu te. Et la femme lui a dit. Mwasi alobeli eboy. Tu peux déjà, si tu veux, tu prends même une autre femme. Dala papa, soko lingo zwa mwasi mususu zwa na yo. Toi et moi, on a déjà eu des grands enfants. Miso na yo tosili kobota bana bakoli. Moi, je m'accroche à Jésus. Ngai na kangami na Yesu. C'est pour ça que la guérison que tu vas recevoir ce soir. Yangona lobiko na yo oko zwa ngonde na pokwa na yo. La meilleure manière d'être reconnaissant envers Dieu. Na lolenge malamu ya koya la mutu na matondi reconnaissant en Nzambe. C'est vrai, c'est bien de donner l'argent à Dieu. Eza malamu ko pesa mbongo pa Nzambe. C'est bien, ça sert à son œuvre. Esunga kapona mosala na ye. Mais la première chose qu'il attend de toi. Mais eloko aliboso Nzambe ati motema ko zwe pa na yo. C'est accroché à lui. Quand tu es accroché à Dieu, à sa parole, la parole de Dieu va produire des effets dans ta vie. Alléluia. Il y avait, j'ai plein de témoignages. Des situations où je me dis, Seigneur, ça c'est quoi? Un autre jour, là ce que je viens de vous dire, c'est quelque chose qui se passe à 22h. Il n'y a pas des gens. Il n'y a pas des gens. Mais un jour, en plein culte, un dimanche, tu vois une femme débarquer avec un enfant de 5 ans. Namoni mwasi moko akoti na mwana ya mbula mitano. 3 ou 4 ans. Azaki na bamvula soko misatu soko mine bolimbisi. Moi je pense que peut-être l'enfant est malade ou quelque chose. Ngana banzi ete tango mosu mwana zo bela to likambo nini. Donc l'enfant en question est déjà mort. Nzoka nde mwana ngo ebembe asi akufi. Et la sécurité, ce protocole, ils ont dit non, 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 vous n'entrez pas, allez à l'hôpital. Bande kwa sécurité ba protocole bazo pekisa bango kokota kokota tebo kende l'hôpital. Elle a forcé. Mama lobinga na kokota ka. Les gens qui étaient là ont dit non, laissez là et puis la sécurité a laissé. Batoba laki wana balobi me botika yeko ti bato sécurité batiki ya kota. Et quand elle vient avec l'enfant, tango ye apusani na mwana. Moi aussi, bon, je me dis on peut pas quand même amener un enfant mort sûrement, mais je prends l'enfant. Ngape ah. Na bet mama batembe mikepe na me, mais suka na kamati mwana. C'est quand l'enfant entre mes mains.
Que je me rends compte que l'enfant ne vit plus. Maintenant, je veux demander à la mère que c'est comment. Elle aussi, elle me regarde que, fais débrouille-toi là-bas. J'attends. Dimanche, il y a près de 4000 personnes suivent ça. Dimanche, les gens ont les yeux sur toi. Je me suis tourné vers ma femme. J'ai dit là, c'est fini. Elle aussi a regardé pour dire, ah, prions seulement. Et puis, quand je me tourne, j'entends une voix qui me dit, réveille-la. La j'ai pensé à ce passage où mais Jésus a dit, elle dort, elle n'est pas morte. J'ai dit, enfant, réveille-toi au nom de Jésus. L'enfant ouvert les yeux. Elle a commencé à pleurer. Alléluia. Ah, mais maman, quoi, il y a vraiment ok. Toute la famille s'est convertie à Christ. Libota na bango mobimba ba bongo la motema ba koma ya Christo. Il y a un monsieur, un bouitiste. Je sais pas s'il y a le bouiti ici. Bouiti. Ici c'est quoi l'onjobi? Njobi. Voilà. Disons un jobiste. Mobali azalaki njobiste moko boy. Qui suivait ça en direct? Azon landango na lisolo te me akomona ngo poisa. Dans un hôpital. Nakati na l'hôpital. Il a vu ça. Amoni yango. Il dit oh. Et l'onjobis là était allé à l'hôpital rendre visite à l'une de mes filles qui a accouché, une fille de l'église qui a accouché, qui a donné naissance à une. L'onjobis te wana akendaka na l'hôpital okotala mwana mwasi moko ya église ya botaki. Donc il a trouvé. Sikoye a komikuna. Mes enfants là en train de suivre le culte. En direct. Par Facebook. En direct. Et il a décidé là à l'hôpital, l'onjobis là. Il a dit, je pars donner ma vie à Jésus. Parce que ça, c'est le pouvoir que je cherche même. Parce que il dit, je suis parti dans l'onjobi parce que je cherche la puissance. Maintenant, je sais là où il y a la puissance. C'est malheureux de voir que les enfants soi-disant de Dieu, ils vont encore voir les nganga. C'est malheureux. Ils ont la mawa. Ils ont la kaba mawa. Mawa penza. Mawa penza. C'est le monde qui doit venir vers toi. Mokili ne sengeli koya na kote na biso. Alléluia. C'est le monde qui doit venir vers toi. Baye mokili ne sengeli baya kote na yo. Parce que tu as la parole. Pwete yo ozana liloba. Alléluia. Vous savez, ma génération actuellement, il y a beaucoup de ministres. Et je discutais avec un, on était à l'école. Je lui ai dit, mais vous les francs-maçons, vous faites reculer le pays. Il dit, oh mais toi tu pries vraiment. Mais... Et puis il y a un qui a même dit à ma femme, que, oh, mais toi tu as rendu béni bizarre, il était... Chaud, chaud, mais tu l'as mené dans le Seigneur, il devient maintenant bizarre. Mosusu ebisi mwasi nanga yo, baby si beni penza. Beni azalaki motona, kasa kasa. Siko omemie na kati nankolo, akomi ndenge ndenge. J'ai dit, mais c'est moi qui, c'est par moi qu'elle est venue en Christ. Ngana lobeli nga lobita, ya memanga tengande na memaye na Christ. Et puis je lui ai dit, on va démontrer la puissance. Et puis na lobina e totali sanguya. Je lui ai dit, bon, tu vas invoquer le Dieu des francs-maçons. Yo, belle lanzambe ya ba francs-maçons. Et moi, je vais invoquer mon Dieu. Ngaipe na kobe
nzambe onanga. Et on verra le premier qui va sortir de ce bureau nu. Tokotala moto na liboso akobima na biro yo moto. Non, on ne fait pas. Alobi tete to sala ngote. Et ce jour-là, j'étais sérieux. Si j'essayais de dire oui, je lui ai dit que je vais te suivre avec tes habits. Et quand tu seras devant les gens, ta conscience va revenir. Et je vais te remettre tes habits maintenant. Il dit non. Je ne disais pas ça comme ça. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que quand tu dépends de Jésus, quand tu as la parole avec toi, il suffit de proclamer et ça se produit. Le sorcier qui t'embête, il faut proclamer seulement quelque chose et quelque chose va lui arriver. Quand tu es dans ta maison, tu dis ma maison, c'est no fly zone. Oh, et ça sonne au mouton coco pour que les canacos pourvoient. Le qui va survoler ma maison. Donc, il y a comme un caco pour moi que les canacos doit tomber. Et c'est qu'il y a quoi? Yes. Et tu vas voir, l'ange sera là avec des missiles. Au commun, l'ange est là pour la wana nabi bundeli. Celui qui essaye, oh, il comme un il est abattu. A quoi il. Est-ce que tu sais que. Est-ce que yo yebi? Si tu dis seulement je mets les bombes et les bombes aussi se mettent là. Soko lobi kaka nati ba bombe tu dis ami. J'explose et ça s'explose. Soko lobi ete e bafuka e pasuka e ko pasuka ka wan. C'est ce que Dieu nous enseigne. Ndelo ko nzambe azola ki sabiso. Il a dit que la terre fut. Aloba ki kaka te tika te bokiyo sama. Et l'eau a libéré la terre. Mbala moko mayi e cede e tiki mokilie monana. Que la lumière fut. Tika te pole ezala. Et les ténèbres ont reculé. Molili e kimaki. Il n'y a pas eu de négociation. Oh, kobeta na tembeza la kite. Pas toi qui es là. Jésus te dit viens. Yo vandi wana Yesu alobina oyaka. Et quand tu sors d'ici, tango bimiawa, tu retournes aux anciennes vies. Ozongi na bomo inayo ya kala. Parce que tu as peur du monde. Wete ozobanga mokili. Un enfant de Dieu n'a pas peur du monde. Mwana na nzambe azana boma na mokilite. Il n'y a pas de promesse dans le monde, il n'y a pas de vie dans le monde. Na mokili bomo ezate bilaka pe ezate. La vie est en Jésus-Christ. La puissance est en Jésus-Christ. La restauration est en Jésus-Christ. Demain soir, ce qu'on va faire pour ce pays-là ici. Et ce que tu vas voir dans ce pays dès lundi. Que ce soit pour la nation ou ta propre vie. Ton téléphone qui ne sonnait plus pour les bonnes nouvelles va sonner pour les bonnes nouvelles. I'm telling you, ton téléphone ne va plus avoir des nouvelles bizarres. Ton téléphone, dès demain, il va s'appeler Bonne Nouvelle. Téléphone, na yo banda lo bien kotwa kombo sango malamu. Sango malamu. Sango malamu. Amen. Bonne Nouvelle. Sango malamu. Bonne Nouvelle. Sango malamu. Bonne Nouvelle. Reçois sango malamu. Yamba bonne nouvelle. Yamba sango malamu.
Alléluia. Amen. Je ne veux pas que tu sois obèse. De la parole. J'ai assez prêché. Maintenant, je veux faire ce que Dieu m'a demandé de faire encore. Je vais prier pour toi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Maintenant, ce soir, je veux que nous ayons de l'ordre. Je ne veux pas prier pour les gens distraits. Tu te mets en rang. Vous pouvez faire deux rangs dans le couloir. Là où vous êtes là, vous vous arrêtez là. S'il y a quelqu'un qui est arrivé là ce soir, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu reviens des catholiques. Ou tu es catholique ou des protestants ou tu missionnaire tongeleso te bopesa bango bakitika wana avance, viens donner ta vie à Jésus. Soki opesa nano bomo inayo na Yesu te belema yaka opesa fina yo na Jésus. Je compte jusqu'à 10. Nazo tanga kino zomi. Je vais prier pour toi, avance. Na lingena bondele longo na yo. Belema. Pusana. Viens donner ta vie à Jésus. Yakana no kopesa vina yo epai na Yesu. N'hésite pas, n'écoute pas la voix de Satan qui te dit non, il y a des gens, ils vont te voir, n'avance pas. Non, non. Sinon Jésus aussi aura honte de toi. Soki oyoki soni ya Yesu lelo, ye pa koyoka yo soni. Devant le Père. Liboso ya tata. 1. Et répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Pardonne-moi tous mes péchés et toute la vie que j'ai passée loin de toi. Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur personnel dans ma vie. Prends ma vie, je m'abandonne à toi. Prends ma vie, je m'abandonne à toi. Mon esprit, mon corps, mon âme. Merci Seigneur Jésus d'avoir fait de moi ton enfant. Sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais prier pour vous. Seigneur, bénis ces hommes et ces femmes. Bénis-les, comble-les par ta grâce. Que nul ne se détourne à gauche ni à droite, que toi seul sois leur maître. Nous te glorifions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et vous avez. Oui, les conseillers. Ma conseillère, les évangélistes. Tu as envie de te réconcilier avec Christ. Avance aussi, je vais prier pour toi. Tu as été découragé. Vraiment, on l'a qui découragé. Je t'ai reçu dans ma vie. Et je me suis détourné de toi. À cause des différents problèmes dans ma vie. J'ai oublié l'essentiel. Que toi, tu es la solution. J'ai cherché la solution dans le monde. Au lieu de me tourner vers toi. Au lieu de m'accrocher à toi. Seigneur, je viens renouveler mon alliance. Avec toi, Jésus. Pour me sauver encore. Et pour toujours. Seigneur Jésus, prends ma vie. Sois le maître de ma vie. Prends la première place dans ma vie. Prends la première place dans ma vie. J'abandonne le monde. J'abandonne les influences du monde. Je m'accroche à toi, Jésus. Je ne retournerai plus. Je ne serai plus découragé. Quelles que soient les vicissitudes, quels que soient les problèmes, je m'accrocherai à toi. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution que toi. Parce que tu es Jésus. Tu es le chemin.
la vérité et la vie. Seigneur Jésus, sois glorifié. Au nom de Jésus, merci de m'avoir accepté. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Oh Jésus, quand je vois tes bontés dans ma vie, je ne peux que t'adorer. Oh Jésus, oh Yahweh, Yahweh, quand je vois tes miracles, je ne peux que t'élever. Qu'elle laisse encore tranquille. Dis quand je t'en ai au kimia. Elle touche là où elle a souvent mal. Simba bisiko et soa kayo. Ça fait mal ici là. Dis-lui, est-ce que ça fait encore mal maintenant? Quelle touche? Quelle touche? Simba, est-ce que je sois? Il y a la mal aux os de ce côté ici. Ici là. Jusque là. Ça fait mal. Pas encore fini. Ici là. Voilà. Ici là.
Mama, toi, comment ça me fait? Vous avez déjà la canne? Pour le dos? Le dos, pour le genou. Ok. Et on va prier. Donc, on s'en là. Que je vois tes bontés dans ma vie. Thank you.
attends d'abord. Qu'est-ce qu'on peut? Qu'est-ce qu'on compte? Meka makolo maman, meka nzoto. Vérifie un peu le tout. Koto la coca va passer. Ça, c'est que tu n'as pas fait. Ça, c'est que tu n'as pas fait. Vous savez, les gens, ils ont tellement duré dans la maladie, quoi. Ils sont traumatisés. Moto a piqué pendant la partie de la maladie. Hein? Ouais. Comment à moi traumatisé? Et puis, les gens de la religion, ils ne sont pas habitués à ces choses-là. Mon opère, hein? Les gens ont opération, ils sont salés comme maman. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire? Salaux, ça n'a qu'à coco, caco, salaté. Tu peux te courber comme ça. Ngumama. Comment tu sens ton corps? Oyo kinzoto ndengeni. Je sens mieux. Mieux. Marche. Marche au nom de Jésus. Tambola na kongo na Yesu. Marche au nom de Jésus. Tambola. Marche. Tambola. Depuis quand? Depuis 2007. Les doigts sont comme ça. Ah. Ma boko est kaouka kaka mouye. Je vois des fœtus dans sa maison. Oui. La zone où on a battu si quatre inondés qu'on a eu. Ouais, tu la comptes. Ça veut dire mon langue moko. Avec une pâte marron. Et ça n'a quatre mois produit moko une petite couleur marron, une petite mois bouillie à marron. Quoi ça dans sa maison? Et ça n'a quatre inondés qu'on a eu. Quelqu'un a porté ça. Moto moko ayaki nango. Ce truc-là date de plus de 14 ans. Et puis, et où mène Nanda Konoé l'équipe à 14 ans, bambou la zone mina mine. Et cette chose-là est là pour produire des problèmes. Et Vandi Nanda Kopona Kopota Kamindondo. Avec son mari. Katinayo, Namobali Nayo. Vous avez vu quoi? Et son mari et elle. Namoni Katinamobali Nayo Nayo. C'est la limite. Bokomi Nasuka. Bien, on marche. Et loco attend mon côté, ils ont tamboula. Et le match dans la maison. Et loco mon côté, ils ont bon gananda qu'on a mis nos tibes. Prophesy, my father. Alors bien, c'est un solo. Quoi dis-tu? Et je vois des enfants. Et la moni bana. Parfois, ils n'ont rien à manger. Tamo musuba qui est l'élitina et loco a colia. That's it. Hey, my father, prophesy. Bionic eyes. Make a son one. Lève-la. Lève-la. Merci. Elle est missaille. Lève-la. Elle est missaille. Parfois, elle est obligée de se battre pour nourrir les enfants. Yes. Elle a un mari. Ozana Mobali. Qui ne se soucie pas des enfants comme elle. Son mari s'occupe de ses parents. Mobali na yo, a qui peke ka baboti na ye. Do something, my father. Frotte mes mains. On m'a frotté ma boca là. Frotte ma casse. Regarde-moi. Regarde-moi maintenant. Lève les mains. Jesus, Jesus. Amen.
À l'hôpital, on t'a dit quoi? J'étais à l'hôpital, le médecin qui m'a reçu m'a dit que... En fait, j'avais commencé la kiné, le médecin m'a dit que c'est un long traitement. Naki dans l'hôpital, mon gars, le bi traitement, on a eu la molaye à la kiné. Chacun de vous doit recevoir en fonction de ce que Dieu envoie pour lui. Moko na moko esengeli ayamba kolandana na onzambe atindi pona ye. Il y en a qui peuvent recevoir sans que je les touche. Je dis seulement lève-toi. Kamususu okoyamba tana simbiote na lobika koto ici. Lève-toi et marche. So balobi na yo tele matambola. Moto alobate. Alléluia. Amen. Il y en a qui on explique bien que tiens-toi bien quand le prophète va prier pour toi. Mais il y a d'autres qui sont là. Qui ne suivent pas. Batumusu bazo landate. Ataba lobina ye mosakolia ko sambela pona yo. Landa. Elle a quoi dans la tête? Eloko nini? Na mutu na yo. Hein? Le commerce est validé. À l'hôpital, on a dit quoi? On a dit que tu passerais vers tes études. Moi, encore plus. Elle est surmenée. Cette fille est surmenée. Moi, la moitié, Alina surménage. Elle n'est pas folle. Anna, le bon maté. Et puis je vois, elle est partie avec deux filles. À Kendekinabana, va s'y mi balai.
avec des stylos. Naba stylo. Donner à quelqu'un. Ba kende ko pesa ba biki wa ne pa ya mutu moko. Elle a fait un concours. Elle a fait un examen. Non, elle a fait le concours de l'année passée. Hein? Elle a fait le concours l'année passée, elle a vu réussir le concours. Ah. À celle-là qui concourt l'année passée. Si je vois, ils amènent ça chez une femme qui dit non, il faut donner la. Parce qu'il y a quelqu'un qui la poursuit. C'est vrai qu'elle est surmenée. Il y a seulement une réclamation qui la suit. Mais Anna et Loko, ils ont bilayé. Réclamation, mon corps. Quand je la pose, la question n'est pas. Donc, comment je veux savoir? Judith. Mets-le sur la tête. Elle va se réveiller. Ok. Elle va se réveiller normal. À Kolamuka, normal. Si je prie pour toi en même temps que tu bavardes, tu es dans la distraction, tu ne reçois rien. J'estime que tu as déjà dit avant. Maintenant, si en même temps le prophète puis tu ne reçois rien. Si tes prières marchent, tu devais les avoir à la maison. Mais laisse la prière du prophète maintenant agir dans ta vie. Thank you.
Hein? Parle à haute voix. C'est vrai. Tu fuis l'appel, tu fuis l'appel. Dieu t'appelle, il te donne les signes. Tu devrais le fuir. C'est vrai. Il est temps que tu acceptes l'appel de Dieu. Ne fuis plus l'appel. Ok? Lève-le. D'ici la fin de cette année. Qu'on soit sans vous, qu'on soit vous l'on est ici. Ok. Ne sois pas distrait. On a la distrait. Les élévations qui arrivent dans la famille. Les ana makamwezo comme on a dit beaucoup. Je vois des nominations dans ta famille. La nomination des akoya. Je vois des gens qui ont des galons de la police. Je vois des gens qui ont beaucoup de choses. Ok. Dieu va vous élever dans la famille. Ce que tu reçois ce soir, c'est avec ton mari. Okay? You have it. It is done.
Sur le bébé qui était mort en plein culte, dans les bras de sa mère, et elle a couru devant l'autel de Dieu, et le prophète a récupéré l'enfant. En récupérant l'enfant, vous allez constater que dans la vidéo, l'enfant était mort. Et le prophète avait signalé à la prophétesse, à notre mère. C'est juste après la prière du prophète que l'enfant... Laissez ceux qui sont assis suivre, ne barrez pas l'écran. Alléluia! Bien-aimés, nous sommes à la fin. Demain, c'est samedi, c'est notre dernier jour. Le matin, il n'y a pas conférence, nous revenons juste le soir pour la croisade. Nous ne serons pas là le matin, donc tu peux t'arranger à être là tôt. Je vais donner les quelques annonces avant de faire monter l'évêque Miyuna. Pour ceux qui ont vu la main de Dieu demain, à partir de 15h, si vous pouvez être là, l'apôtre Jules va vous recevoir et on va voir comment est-ce qu'on va faire passer quelques témoignages demain. Donc, sois là tôt avant le culte. Vous allez voir le protocole. Le protocole va vous diriger vers l'apôtre Jules qui va vous recevoir, vous donner votre témoignage. On va vous enregistrer et on va prendre votre témoignage demain soir. Et il y a une autre annonce aussi. Il est dit pour les églises qui veulent envoyer les moniteurs pour la formation des moniteurs de l'école de dimanche, voir le pasteur Jean-Bruno Ntsundu, il fait déjà nuit, ou bien vous allez, c'était le modérateur d'hier. Si vous voulez envoyer les enfants pour la formation des moniteurs de l'école de dimanche, vous voyez le pasteur Jean-Bruno, le modérateur d'hier. Donc demain, on est là dans la soirée. Amen. Nous sommes là, si nous sommes là, agitez votre main s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que nous sommes bénis pendant le séjour de l'homme de Dieu. Seigneur, nous croyons que sa présence ici, non pas seulement en ce lieu, mais dans cette nation, nous croyons, Seigneur, que c'est la nation qui est visitée. Seigneur, tu agis à travers les hommes et nous croyons par ton serviteur, le prophète Béni Ngwambina. Seigneur, nous croyons que tu as visité aussi le Congo. Et par la foi, nous déclarons que toutes les paroles qu'il a confessées en faveur du pays, ces paroles vont s'accomplir. N'est-ce pas toi qui confirmes ce que prédisent tes envoyés? Seigneur, il a été envoyé par toi. Il est ici comme envoyé. Et tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, Seigneur, nous croyons. Non seulement tu l'agrées, mais aussi tu l'accomplis. Dans le nom de Jésus Nazareth. Merci Seigneur pour les guérisons. Merci pour les miracles que tu as opérés dans la foule. Non seulement sur les personnes qui se sont avancées, mais aussi sur celles qui sont assises. Seigneur, nous croyons que tu nous as visités aussi, chacun pour sa part. Nous sommes libérés, nous sommes guéris, nous sommes délivrés et nous sommes dans la joie, les douleurs et les gémissements.